En Daitolu, on ne cherche pas l'efficacité, on cherche l'efficience. Ce n'est pas du tout pareil. Je l'ai dit une fois dans un article, je ne sais pas s'il a été publié ou pas, mais l'efficacité, c'est avoir, comme en Aïkido, un objectif de réussite. L'efficience, pas du tout. On a un objectif de process. C'est très, très différent. C'est-à-dire que l'objectif final dans un mouvement de Daitolu n'est pas toujours complètement contrôlé. Ça peut changer. On peut changer le mouvement, etc. Donc il y a une malléabilité, mais à condition qu'on respecte le processus de construction du mouvement. En Aïkido, pas du tout, puisque le processus de mouvement est moins important que la réussite du mouvement. Voilà, c'est ça le problème. Donc, parler d'efficacité en Aïkido, c'est une erreur. Parce que l'efficacité, elle n'est pas là. Un objectif d'efficacité est là, mais l'efficacité en elle-même, elle ne peut pas se juger sur cet objectif. Donc, où on va juger l'efficacité de l'Aïkido? C'est le problème. C'est pour ça que tout le monde, sans arrêt, ressasse cette question d'efficacité. Moi, je dis stop, arrêtez. Parlez pas d'efficacité, parlez d'efficience. Et là, déjà, en Aïkido, même en Aïkido, on a interviewé aussi, mais en Aïkido, on s'aperçoit que si on parle d'efficience, tiens, c'est différent. Le jugement est différent, la façon d'aborder la technique est différente. Ça, c'est important, je pense. Pas se tromper sur les mots. Il y a différentes façons de pratiquer le Daitolu en fonction, un, de vos connaissances, de vos compétences, de vos possibilités, capacités, on va dire, et de votre corps, de votre mental, etc. Pas tellement comme en Aïkido. En Aïkido, tout le monde fait pareil. Donc bon, c'est un peu de la lobotomisation. Mais en Daitolu, donc, il arrive un moment, quand on a beaucoup de connaissances en Daitolu, où on choisit directement, où on se fait choisir par le sensei, ça peut être ça, d'orienter sa technique sur la technique qui est la plus facile à faire pour soi, qui réussit le mieux. On parlait d'efficience, c'est ça. Comment je vais être efficient avec mon corps, avec mon esprit, avec mon cœur, etc. Et c'est ça l'objectif du Daitolu. C'est pour ça qu'on n'enseigne pas le Daitolu de la même façon à tout le monde. C'est un peu paradoxal pour un Aïkidoka, parce qu'en Aïkidoka, on enseigne tout le monde le même mouvement. On fait du formatage de masse. Mais non, le Daitolu, ce n'est pas du formatage de masse du tout. Si toi, tu es grand et que moi, je suis petit, on ne va pas apprendre. On va apprendre les mêmes techniques, les mêmes fondamentaux, mais on ne va pas les mettre en ordre dans la technique exactement de la même façon. Par exemple, moi, je vais être obligé de descendre sur mes jambes souvent, alors que, par exemple, un petit, on n'aura pas forcément besoin. C'est un exemple parmi d'autres. Et ça, on n'y pense pas en Aïkido. Si on dit la technique, c'est la même pour tout le monde. Donc, le grand sensei, il fait comme ça, je fais pareil. Ça ne marche plus. Ah bah oui, c'est normal. Ça marche pour le grand sensei, mais pas pour le petit. Donc, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il faut absolument se recentrer sur une espèce de capacité. Au sensei, il était petit, mais c'est 1m50, ça fait ça, 1m50. Il était très vigoureux et vif. Donc, je pense, je n'étais pas là pour le voir, donc je ne peux pas le dire avec certitude, mais de ce qu'on sait des témoins, c'est vrai que Takeda sensei l'a orienté vers un type de Daitolu qui lui correspondait, qui était entre autres le Nagare, puisque le Nagare permet justement de dissoudre les forces de l'adversaire au sein du mouvement, par la dynamique, ou par les bons, par exemple, comme faisait par exemple Gozo Shioda. Donc, il faut bien comprendre ça, il n'y a pas une façon de faire bien. C'est lui, au sensei, qui, après un énorme, pesant cursus de Daitolu, finalement, a orienté sa technique dans une certaine façon de faire, qui était toujours du Daitolu. C'est-à-dire, moi, je fais du Daitolu, d'autres gens font du Daitolu, mais on ne fait pas exactement pareil. Mais les fondamentaux sont les mêmes. C'est ça qu'il faut comprendre. En Aïkido, c'est très différent. On dit, c'est le principe. Ah bon, bah, c'est le principe, tout est réglé. Bah non, en Daitolu, tout n'est pas réglé. On ne parle pas de principes, on parle de fondamentaux ou d'essentiels. C'est très différent. Donc l'essence, c'est quelque chose qu'on a perdu en Aïkido, l'essence des mouvements. C'est dommage. Mais au sensei, il l'avait, ça. Et il l'a gardé avec sa façon de faire. Voilà. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe qui existe entre les deux et c'est un paradoxe qui a été créé par l'Aïkido. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut signer à tout le monde la même chose et de la même façon, on tombe sur... ça devient un train sur des rails. Mais le train, il peut rouler tant qu'il y a des rails. Quand il n'y a plus de rails, ça ne marche plus. C'est ça le problème. Donc, il faut que le hooké fasse
son rôle d'une certaine façon, il faut que les attaques se fassent d'une certaine façon, il faut que les mouvements se fassent d'une certaine façon. Et quand on sort de ces rails-là, on est paumé, on est perdu, le train ne fonctionne plus. Et donc, on a une volonté en Aïkido d'universalité, parce qu'au CNC, lui, il l'avait. Mais on n'a pas réussi à la mettre en action sur les rails généraux de la vulgarisation. C'est ça le problème, parce qu'on n'a pas des gens, les gens sont très compétents, mais ils n'ont pas compris que y a un process historique dans l'apprentissage de l'OCNC que eux n'ont pas. Et donc, refaire par exemple du Daito Liu dans ces conditions-là, ça permet de renouer avec presque la suppression des rails. Par exemple, on est à Bayonne. À Bayonne, ils sont en train d'installer des tramways. Mais ce n'est pas des tramways puisqu'il n'y aura pas de rails. C'est-à-dire que le tramway sur roue peut sortir très bien de son couloir s'il veut. C'est ça. Il faut pouvoir faire ça. Et ça, bon, jusqu'au quatrième dan, c'est très difficile, mais en fait, il faudrait, par exemple, ça, moi, c'est ce que je prône maintenant, si je peux me tromper, mais que les gens au-delà du quatrième dan puissent sortir des rails. Justement, se réapproprier, non pas l'aïkido, ils l'ont l'aïkido, mais l'aïki. C'est ça qui est important, c'est l'aïki. Merci pour votre attention.